Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le rangement de mon nouveau meuble qui est juste là pour moi. Et voilà. Donc, ce make-up, c'est celui de la palette Martine Cosmétique que je vous remets en barre d'infos. Si vous suivez mes vlogs, vous avez vu que j'ai enfin reçu mon nouveau meuble de chez Ikea. Enfin, reçu, j'ai été chercher. Et je vais donc le ranger avec vous. Moi, il est déjà rangé, hein, je fais l'intro après, voilà. Mais voilà, comme ça, vous verrez un peu ma façon d'organiser les choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder les gens ranger. Tant mieux pour vous, parce que moi, ça m'énerve de ranger, mais ça m'énerve encore plus de regarder quelqu'un d'autre le faire. Amy. Amuse-toi, je sais que toi tu vas kiffer. Nymphe aussi d'ailleurs. Et voilà, donc je vous laisse avec, avec le rangement. Et je vous mets également un chapitrage dans la barre d'infos pour si jamais vous voulez directement aller à la fin et voir comment j'ai rangé les choses, si vous voulez passer toute la partie où je range en fait. Voilà. Voilà, on attaque la suite. Donc voilà, quand on rentre pour l'instant, c'est comme ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous avez mon rangement, je vous le remets en barre d'infos. Quand on a mis cette installation-là, ça date pas d'il y a très longtemps, on est d'accord. Là, j'ai déjà trié, là, c'est des caisses pour ranger dans mes tiroirs après, et mes produits ongles. Il me reste un tiroir, je crois, j'aurais vidé déjà toute la tour ici. Donc là, je vais m'amuser à vider tout ça. Ici, c'est des vidéos, mes pinceaux sales, des vidéos de prévues, et ça, c'est pour mettre sur Vinted. Voilà, et je vais devoir vider mes deux étagères, que chérie puisse les enlever tout à l'heure pour me mettre mon meuble. Donc j'espère qu'il sera motivé à me monter tout de suite. Donc voilà, ça c'est le avant et on peut passer au rangement pour voir le après. Et donc voilà, le meuble est monté. Donc je filme, il est tard, hein. Il est 21h, donc je suis en pyjama et je vous ferai l'intro, outro demain matin avec une tête à peu près potable. Voilà, mais comme ça vous voyez le meuble et je vous affiche le nom. Parce qu'il est imprononçable. Je crois qu'en suédois, ça doit vouloir dire flageolet. Un truc comme ça. Et on va donc ranger ensemble. Je vous montre juste un peu plus près. Donc, on a... vous achetez l'étagère. Attendez, je me recule. La bibliothèque, en fait. Hein, c'est dans l'onglet, dans les trucs bibliothèque. Qui est à 129€. Et c'est un pourtour en métal. Voilà. Et le bloc de deux tiroirs... et à 70€ chacun, voilà, et je les trouve bien pratiques, au moins on a accès au fond. Il y a juste que la hauteur ne me permet pas de ranger les palettes dedans, donc au départ c'est ce que j'avais prévu, mais je vais changer ça. Et du coup, pour pouvoir mettre mes palettes en sécurité, on a traficoté ici avec des vieilles barres à rideaux, donc c'est un peu tordu, mais c'est juste pour pas que mes palettes se cassent la gueule de chaque côté. Voilà. Donc ça, on a traficoté ça. Au moins, ça coûte rien. Et mes palettes seront en sécurité. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par ranger mes caisses qui traînent là. Je vais les mettre là en dessous. Là, vous avez la prise parce que je vais vous poser juste là après. Mes cartons pour commencer. On va pouvoir ranger les deux étagères. Ensuite, je mettrai les protections dans les tiroirs. Et on rangera les tiroirs. Voilà, donc vous avez vu aussi sur mon bordel de l'autre côté. Mais on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Alors, je vais commencer par les palettes pour être sûr. Ah oui, mais je voulais un rangement à la verticale. Là, l'avantage, c'est que même les plus grandes rentrent debout. Mais, comment je vais organiser ça? Je pense que je vais commencer de la plus grande vers la plus petite. Ou la plus grande vers la plus petite. Non, la plus grande par là, j'ai trop l'habitude de mettre les plus grandes de ce côté-là. Donc, pour l'instant, je vais toutes les poser ici, sans les faire tomber, ça serait bien. Voilà. Alors, on va commencer comme ça. Les incliner un peu pour être sûr que ça tombe pas. Voilà.
Ensuite, on va passer à celle-ci. Voilà. Bah celle-ci, du coup. Par contre, celle-là, je vais les ranger comme ça. Voilà, je les verrai mieux. On va devoir faire comme ça pour toutes les palettes, d'ailleurs. La Blood Money, je vais la mettre comme ça devant. Obligé. Alors, ensuite, Nikki Tutorials. Celle-là, je suis obligée de la mettre. Le nom, il est écrit. Bon, après, je sais laquelle, mais... c'est chiant. Soit je vais la mettre comme ça à l'envers, soit comme ça à l'envers. Et j'aime pas quand les palettes sont pas rangées dans le même sens. Donc, je vais la mettre comme ça. Tant pis. Les Beauty Bay. Ah, dans le sens. Voilà. Alors, on va enchaîner avec les Flawless, je pense. Quoique j'aurai encore de la place ici, je pense. Alors, attendez. On va laisser ça en suspens. Je vais ranger mes tiroirs. Voilà. Non, ça, c'est... Ouah, c'est lourd. Ça, ça va comme ça. Ça, je vais le vider. Je pense que je vais les mettre dans un tiroir. C'est mes pigments pommades et le reste de mes liner cake. Hydra liner. Oh. Et mes mixings. Comme ça, on récupère un tiroir en plastique. Là. On verra si on s'en sert pour autre chose. Alors, j'ai mes rouges à lèvres, mon rangement à rouge à lèvres. Alors, attendez, je vais faire l'inverse. Je vais placer des lèvres aussi. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre les produits ici. Les lèvres ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous montrerai après un peu mieux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment quand je fais du rangement make-up avec vous. Enfin, du rangement tout court. Ici, on a encore des produits lèvres. Donc, je vais les mettre au-dessus. Où ça passe en dessous de celui-là. Ça sera peut-être même mieux comme ça, non? Non, parce qu'après, j'ai les autres rangements ici. Pas facile, pas facile. Hein. Alors, ici, je vais en mettre un au-dessus et je vais mettre les crayons yeux, déjà, pour commencer, qui sont dans un pot. En fait au final je réflecte hein, je réflecte, j'arrive. Bon, les Flawless, je vais les ranger dans l'autre sens, du coup on va les faire partir d'ici, les Flawless. Là, ça c'est pas mal.
Je pourrais presque les mettre derrière mes rangements en fait, pour avoir tout à hauteur. Bon, après, je verrai, ça rechangera. Si je me mets face à vous, ça sera mieux. Ça rechangera peut-être au fil du temps que je les utilise. Hein. Pour l'instant, c'est un premier jet. Mais après, ça risque de changer au fur et à mesure que j'utilise les produits. Je vais mettre celle-ci. Devant, mais bon, je vais mettre les comment s'appelle Colourpop ici. Et là, c'est les trois avec les packagings que j'adore. Si je les mets derrière, on ne les voit plus. On va faire comme ça. Voilà. Les Huda ici. Et celle-là ici au-dessus. Sinon, je la trouverai jamais. Je ne penserai jamais à l'utiliser. On va faire comme ça. Et j'ai rangé, ah non, pas toutes les palettes, il reste encore celle-ci. On va mettre celle-ci ici. Non, ça va pas. Sinon, ça va pas aller. Il faut que je mette les autres ici. Donc, on décale les flawless. Je vais ici. Bien joué. Pas de casse. Alléluia. Oh. Donc là, ici. Ensuite, les flawless. Celle-ci, on est remis correctement. Voilà. Le Jeffree Star nous sert un petit peu pour maintenir les autres trucs. Donc pour l'instant, les palettes, ça restera comme ça. Alors j'ai encore ça. Ah, mais j'en ai. Ah oui, mais celle-là, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, ça, je mettrai après, puisque c'est un panier que je dois. Les produits que je dois utiliser. Alors je vais mettre les protections comme ça dans les tiroirs. Et comme ça, je vous baisse et on peut ranger les tiroirs ensemble. Alors finalement, je vais commencer par ranger ce tiroir-ci, puisque une fois que je suis assise, c'est le tiroir que j'ai plus facile d'accès quand je suis assise pour filmer. Donc je vais mettre les produits teint et lèvres, déjà, pour commencer. Voilà. Alors, ici c'est des blushs. Ici c'est des palettes et des produits que je dois terminer. Donc, ok. Alors, highlighter, bronzer, blush. Alors, je vais mettre les bronzers pour commencer. Voilà. Alors, ça, c'est deux blushs. Donc, on va les mettre. Ça, c'est un bronzer. Donc, je fais des petites palettes. Les marques qui rentrent ici. Voilà. Écoutez, je peux mettre le petit crayon ici, il va très bien avec la palette Anastasia. Je vais mettre derrière, de toute façon j'aurai accès. Alors, ensuite les blushs. On a celui-là. On va essayer de caser. J'ai mis les deux qui courent. Ah merde, tu rentres pas celui-là. Croque. Tu rentres pas dedans. La palette là, elle rentre pas dedans non plus.
évidemment, juste pour mon coquiner. Donc, je vais la mettre derrière. Voilà, comme ça. Attendez. J'avais essayé de ranger les lumières ensemble, mais ça marche pas à tous les coups, hein, pour le rangement. Les deux flèches qui courent, je vais les mettre là. Et je vais mettre la palette de Natasha Denona comme ça. De toute façon, j'ai de la place, donc autant que j'étale. Et ici, on a les highlighters. Voilà. Ça, c'est des produits teints entamés que je dois terminer. Donc, on verra où je les range après. Là, j'aimerais bien mettre les produits de lèvres que j'avais pas à caser ici. Ça, pour l'instant, ça va. Ça aussi. Alors, les produits de lèvres. J'utilise moins souvent, c'est-à-dire les gloss, les métallisés, les plus colorés. Donc ça, je vais mettre là comme ça. Les houppettes ici derrière, les coton-tiges. Et les rouges à lèvres, on va les taper comme ça. Donc ça, c'est du coloré. Encore un peu comme ça dans le haut. Oui, je réfléchis, hein, excuserie. Voilà, là, c'est les colorés, là, c'est les métallisés. Alors, ça, c'est des classiques. Ça, c'est des glitter flip, des gloss. Je vais mettre là et je vais les métalliser ici. Voilà, et je mets cela ici comme ça. Voilà, donc là on est pas mal. Alors, finalement, je vais avoir trop de place pour ranger et pas assez de produits à ranger. Ici, j'aimerais bien mettre tout ce qui est liner. Hydra Liner et compagnie. Donc j'ai récupéré un tiroir comme ça de chez Sephora et je pense que ça va rentrer pile poil. Donc on va mettre les palettes comme ça. Je vais mettre les pigments pommade ici, les autres ici et les mixing ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, on va essayer de les ranger ailleurs. Donc, je peux récupérer celui-là pour ranger ici ceux qui ne rentraient pas dans l'eau. Donc, les deux poupées. Natasha Denona, et je pense que la palette de bleu, je passe dedans aussi. Voilà, merveilleux. Et je vais mettre la Anastasia ici derrière, comme ça je la vois mieux. Voilà pour ce tiroir-là. Donc je vous dis, après ça risque de rechanger. Hein. Mais bon, pour l'instant, on va faire ça. Pour l'instant, il n'y a rien dans les deux premiers tiroirs. Hein. C'est quand même incroyable, j'ai rangé tout dans un tiroir. Je vais mettre ici tout ce qui est artistique. Donc je vais mettre le fond. Bon bah écoutez, je vais prendre le premier puisque je l'ai déjà fait. Non. Si. Voilà, on rangera ça après. Et je vais chercher les produits. Celle-ci, je m'en sers très peu. Hein. Donc pour l'instant, je vais la mettre de ce côté-là. J'ai les petites palettes de paillettes et de fard duochrome. On va les mettre ici. Les fossiles, c'est vrai que j'en ai pas tant que ça, puisque j'utilise longtemps les mêmes paires. Voilà. Mais ils rentrent dedans. Nickel. Alors,
j'ai une crampe au pied. On a les strass et les paillettes. Je n'en peux plus, il y a trop de choses. Alors, en strass, déjà pour commencer, je vais ranger mes boîtes. Je sais lesquels j'utilise et lesquels j'utilise moins. Voilà. Ça, c'est encore l'espace et encore l'espace et encore l'espace. Il y a des espaces partout. Donc, je vais laisser la boîte. Bon, c'est une boîte à clopes, hein, mais on s'en fout. D'ailleurs, sinon, je vais changer, je vais mettre une plus jolie. Alors, ici, on va mettre tout ce qui est petit fard, pailleté et paillettes libres. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Alors, les Anastasia, les peut-être les mettre à l'envers, tiens, d'ailleurs. Les teintes. Okay. Alors, les poudres marron. Ça, je vais les mettre avec mes liner kits ici. Hop. Ça, c'est mon petit fard mono, le seul rescapé de chez Urban Decay. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent me servir pour le bricolage et compagnie. Et ça, je vais mettre ici aussi. Et voilà pour ce tiroir. Bon, je vais mettre les protections dans les deux là et je reviens. Alors, je vous reprends, on est le lendemain matin parce que franchement, à 10h15, j'ai laissé tomber l'affaire. J'avais mal au dos, j'en pouvais plus. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai rangé en dessous, on va passer à ces deux tiroirs-ci. Alors, ici au-dessus, je vais mettre mes produits ongles. Ici en dessous mon backup et au dessus je mettrai les produits pour les ongles et on verra où ça en est. Voilà, tout simplement. Donc là on va commencer par le backup make-up. Voilà, alors on va commencer comme ça et comme ça. J'ai les couvercles de box et je reprends mon gros carton avec tout mon stock de make-up. Et ouais. Alors, je vais mettre les fonds de teint et les vases ici pour que ça tienne bien droit. Voilà. Les vases. Ça, c'est une base. Je vais mettre les anti-cernes avec. Donc, les XX. Il reste un révolution. Encore essence. Voilà. Je vais mettre aussi les poux avec le teint poux. Comme ça, on a ce qui est pour le teint. Donc, il est derrière les anti-cernes. C'est une base à paupières. On fera après. Ici, je vais ranger mon stock d'éponge. J'ai les Friends et les Imax. Sauf que celle-ci, elle est entamée. Parce que la moyenne.
Alors, on va continuer sur le teint avec les... je sais pas si on a vu, celui-là, oui. Avec les sprays fixateurs. Ça, c'est une passe. Ah oui, c'est une passe. Je vais plutôt la mettre ici. Il ne passera pas debout. Donc, je vais la mettre comme ça. Voilà. Spray et à côté je vais mettre des vases à paupières, je vais les coucher, ça sera plus simple. Alors attendez, hein, j'organise mon petit bazar. Alors derrière je vais déjà mettre mon stock de savon Pierce puisque ça fait partie pour moi du make-up et pas forcément des soins. Voilà. Ici, j'ai un stock de petits rasoirs W7 et ceux-ci. Mais je préfère les W7, ils font vachement moins mal à la face que ceux-ci. Donc, ceux-ci, je pense que je vais peut-être faire un lot. Il en reste quoi? 2, 4, 5. Je pense que je vais peut-être les mettre sur Vinted. Je vais les descendre. Alors, stock de démaquillant, on peut le mettre ici aussi, sauf que celui-là passera pas. Donc, l'huile démaquillante, je vais la mettre derrière. J'en rachète d'ailleurs, j'ai pas assez de stock. Et tout ce qui est coton, je vais mettre ici aussi. Voilà. Alors, on a ce qui est gommage lèvres. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le descende pour l'utiliser. Et boum à lèvres. Donc, je vais mettre ça là, comme ça, pour l'instant. Et je vais voir ce que j'ai d'autre. Alors, je vais aussi mettre mes savonnettes qui me servent pour laver mes pinceaux. Et là, il faut que je descende une. L'huile démaquillante, du coup, je vais la mettre ici dedans. Et les cotons, je les laisse là-bas. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal là déjà. Au moins j'ai tout mon backup make-up ensemble. Je vais juste enlever les liners. Je ne vois pas combien ce qu'il m'en reste exactement. Je vais mettre plutôt ici. Il m'en reste plus que 3. Hein. Je vais devoir bientôt en rattraper un. Il va falloir que je recommande du stock. Voilà, voilà. Ben écoutez. Je vais vous montrer maintenant en détail ce que ça donne. Je vous reprends à la main, ça va bouger. Pour commencer, on a l'étagère avec les palettes. Donc, en sachant qu'il me reste quelques-unes à ranger, mais dont j'ai besoin et ou que j'ai dû encore faire les swatches de make-up. Voilà, donc ici j'ai mis toutes ces palettes-là. Voilà. Je pense que ce sont mes préférées de toute façon. Puis les trois quarts, c'est des cadeaux. Ouais, vraiment les trois quarts, c'est des cadeaux. Je crois que la seule que j'ai achetée, c'est celle-ci. Les deux révolutions là. La Morphe ici. Les deux Biperfect. Ça, c'est des cadeaux. Celle-ci, la Mitchell, j'ai acheté moi-même. Ces deux-ci aussi. Enfin bref, voilà quoi, mais bon. Donc là, j'ai mis la petite Jeffree Star Blood Money, mais il y aura la Martine qui va certainement venir ici. J'ai mis le coffret Révolution là, en déco. Et mes Flawless et les deux grandes Huda Beauty et les trois Anastasia que je possède. Vous voyez, dans les grandes marques comme ça, j'en ai pas énormément. Ici en dessous, j'ai mis donc mes parfums, un petit peu de déco. Voilà, ici je pense que je vais mettre mon chapelet à l'intérieur. J'ai mis mon petit cadre qui était normalement au fond de vidéo, mais que vous ne voyez absolument jamais. Et j'ai mis les petites palettes ici pour avoir plus facile. Donc ici, c'est toutes les Colourpop. Ici, on a les petites Huda, la Harley Quinn, une Pat McGrath et la mini Tour Breaker. Et là, j'ai mis la petite Natasha Denona. Voilà. Ici, on a donc tout ce qui est pour les lèvres. On a ici les rouges à lèvres qui ne rentrent pas dans ce rangement-là. Donc, j'ai réussi à mettre tous les rouges à lèvres raisin au moins ici. Voilà, j'ai réussi à stocker ceci. Donc ici, c'est forcément les marques les plus chères puisque c'est des packaging plus gros et ils ne rentrent pas dedans. Donc ici, j'ai mis tous les mini. Et puis après, voilà, j'ai rangé un peu par marque et les melted. Je crois que ce sont devenus mes préférés avec les Jeffree Star. Les liquides. Voilà.
Ici, on a les crayons et les jumbo. Mes autres rouges à lèvres liquides, voilà, le noir de chez Sephora, le NYX ici, que j'adore, enfin les deux NYX, j'adore, Catrice, Focalure, Révolution. Ici, on a le Ofra et mes trois Huda Beauty, ceux-là aussi, je les adore, et mes gloss. Voilà, vous voyez, j'ai pris le ruban de gloss. Hein. Le Sub-Zero de Sugar Pill et tout le reste, c'est Jeffree Star. Je les adore, hein, je vous mens pas. D'ailleurs, j'aimerais bien étendre ma collection. Finalement, j'ai remis les crayons yeux ici. J'ai mis mon petit château de Too Faced ici derrière. Il est très vieux. Mes liners pailletés, les fards liquides pailletés de chez Beauty Bay et un petit qui est tout seul de chez Focalure. Et ici, c'est les chromatiques. Voilà, et les jumbo, comment c'est déjà, by Terry. J'en ai mis deux aux filles pour qu'elles puissent tester. Voilà. Alors, dans le premier tiroir, du coup, j'ai mis les produits pour les ongles. Donc ici, c'est tous mes stickers, enfin mes... Ouais, les stickers, le foil j'utilise pas. Mes poudres licorne slash sirène et tous mes water decal. Il y en a un paquet. Ici, c'est les bases top coat et tout ça que j'utilise pas, le polygel, les dotting tools et compagnie, mes pinceaux, ma lampe UV et mon petit panier que voilà, j'ai tout dedans en fait pour refaire maison quand je vais les refaire. Et je descends le panier, ma lampe et c'est bon. Ici, les chouchous et les bandeaux pour les cheveux. Et ici, les pinces élastiques décorées et tout ça pour les cheveux aussi. Dans le tiroir juste en dessous, j'ai mis mon backup. Donc j'ai mis mes mouchoirs en papier et mes lingettes pour les nuits parce qu'il fallait bien que je les range quelque part. Mes rasoirs visage. Donc ici c'est pour le teint base, fond de teint, anti-cerne, poudre et fond de teint poudre. Les éponges derrière, les savons Pierce et les savons pour mes pinceaux. D'ailleurs j'ai recommandé des éponges, donc il va falloir que je fasse de la place. Les sprays fixateurs. Ici on a les bases à paupières, les plumpers, liner, sourcils, mascara. Le fard beige, colle à fossiles, mixing liquide. Je risque pas de tomber à court. Hein. Baume à lèvres, masque pour les lèvres, démaquillant Nivea, une éponge démaquillante pour quand j'en ai une qui flanche. Du coup, j'ai mis ici mes petits essuies que je me sers pour mettre sur mon bureau. Donc, vous allez voir le cendrier. Je vais essayer de pas vous le montrer. Pour pas salir ma table et pour m'essuyer les mains et les démaquiller. Troisième tiroir. Donc, les produits teints. Bronzer, blush, highlighter, les produits pour les yeux, les hydraliners, les pigments pommades, les mixings et l'eau pour mes trucs et mes poudres marron. Et derrière, c'est des capuchons de café au lait ou de Pringles. Je mange beaucoup de Pringles. Les petits capuchons de spray que je me sers pour mélanger mes pigments, mes paillettes et tout ça. Glitter flip, rouge à lèvres pailleté, métallique. Les glosses pailletées et les rouges à lèvres de couleur un peu moins passe-partout. Ça, je ne sais toujours pas quoi en faire. Mon recombustible, des houppettes. Et là, c'est des produits que je dois terminer, qui sont entamés. Quoi. Voilà. Et dans le dernier tiroir, donc c'est tout ce qui est pour le make-up plus artistique. Les fossiles, paillettes, strass, autocollant, face gem. Paillettes, éponges, ça peut toujours me servir du faux sang, mais bien que je n'utilise pas. Mes paillettes pour le buste que j'utilise absolument pas non plus, et des paillettes libres que j'utilise que très rarement aussi. Et il y a Ryan. Bonjour Popo, posez mon pépé. Et alors ici tout en dessous, ça va mon gros père. Ici tout en dessous, donc j'ai mon petit coussin pour quand je m'appuie pour faire mes liners. Pour avoir le coup, il y a Lilou aussi. Bonjour Lilou. Ici, c'est mon stock de produits ongles, donc les tips, les limes et tout ça. Mes appareils pour les cheveux, donc le Steampod, mon gaufreur, mon boucleur, mon eau de lisseur, le rasoir vite. Et ici en dessous, on a les produits pour le concours, enfin, pour les futurs concours. Et... un avec tout ce qui est prise, batterie et tout ça. Ma planche pour mes ongles, mon suiveur parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Et
ma boîte à bricolage pour faire les couronnes ou les trucs comme ça pour les vidéos. Et voilà! Donc, je suis hyper, hyper, hyper contente du rendu. Voilà, il est bien costaud. Je suis ravie. Il était un peu plus cher que le Pax, mais il est pas mal. Le seul truc qui était dérangeant à la base pour ce meuble-là, c'est comme je vous ai dit ici, parce que j'avais peur que mes palettes, elles tombent. Hein. Mais du coup, on a trouvé cette astuce-là. C'est pas très esthétique, hein, on est d'accord. Mais bon, vous voyez que de face, ça ne se voit absolument pas. Et je vais pas aller me foutre la gueule sur le côté du meuble pour aller vérifier. Hein. Voilà, voilà. Ah oui, au-dessus, j'ai mis une petite couronne que je ne savais pas où mettre. Un petit panier avec du bordel et un petit pourru du bordel et un miroir que j'utilise plus. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.